Coucou Boutchou! Bienvenue dans ma bibliothèque! Aujourd'hui, une nouvelle histoire qui va nous en apprendre sur les formes. Es-tu prêt? Oui? C'est parti! Aujourd'hui, notre livre s'appelle « Baffy et la souris jouent avec les formes » de Prabaram et Sheila Preet. Après la lecture, rejoins-moi pour un quiz et une petite vidéo sur les formes tout autour de nous. Baffy et Sourisette jouent sur le toit en forme de triangle. Les deux copines sont installées sur une fenêtre en forme de rectangle. Un cube de glace sur la tête de Baffy la fait frissonner. Oh, les deux complices jouent avec un cerf-volant, en forme de losange. Cool! Nos deux amis posent leurs pièces sur un plateau carré. Miaou, scrush, scrush. Un tronc d'arbre en forme de cylindre est un délice pour se faire les griffes. C'est l'heure d'une bonne sieste. Baffy et Sourisette s'enroulent et s'endorment sur leur tapis rond favori. C'est un cercle. Baffy se brosse les dents en se regardant dans un miroir ovale. Et Sourisette fait des grimaces. Miaou ! Quel plaisir quand il fait bien chaud ! Chacune son cône glacé pour le goûter. Eh oh les abeilles ! Baffy voudrait bien un peu de miel pour sa tartine. Il est dans les alvéoles en forme d'hexagone. Sourisette et Baffy à la conquête de l'espace. La lune semble en forme de croissant. De délicieux samosas en forme de pyramide pour les deux gourmandes. Miaou, crunch, crunch. Un triangle. Deux carrés. Trois rectangles. 4 ovales, 5 cercles, 1 cube, 2 cylindres, 3 cônes, 4 pyramides, 5 sphères. Il existe beaucoup d'autres formes géométriques. Peux-tu en découvrir avec les amis de Baffy? Et c'est la fin de notre histoire. As-tu aimé ce livre? Oui, il était drôle, hein? Je t'ai préparé un petit quiz. Es-tu prêt? Ok, on y va. Question 1. Regarde bien l'image. Quel est cet animal? A. Souris. B. Chat. C. Chien. As-tu trouvé? Oui, c'est la réponse B. Chat, c'est un chat. Question 2. De quelle forme est la fenêtre? A. Cercle. B. Triangle. C. Rectangle. As-tu trouvé? C'est la réponse C. C'est un rectangle. La fenêtre est de forme d'un rectangle. Question 3. Regarde bien l'image. Qu'est-ce que c'est? A. Ballon. B. Parapluie. C. Cerf-volant. Oui, c'est la réponse C. C'est un cerf-volant. Aimes-tu voler ton cerf-volant à la plage? Oui? Super! Question 4. De quelle forme est le miroir? A. Ovale. B. Rectangle. C. Croissant. Oui, c'est la réponse A. Ovale. Ovale. Très bien! Le miroir est ovale. Question 5. Quel est cet animal?
A. Coccinelle. B. Mouche. C. Abeille. Oui, la réponse C. C'est une abeille. Une abeille qui nous fait du bon miel. C'est déjà la question 6. Quelle est cette forme? A. Pyramide. B. Cylindre. C. Cercle. As-tu trouvé? C'est une pyramide. Une pyramide. Très bien. J'espère que tu as aimé ce quiz. Ne pars pas tout de suite. Je t'ai préparé une vidéo sur les formes et les objets tout autour de nous. Regarde cet objet. Qu'est-ce que c'est? C'est un ballon. Un ballon à la forme d'un cercle. On dit aussi qu'il est rond. Beaucoup d'objets autour de nous ont cette forme. Oh, j'adore les beignets! Tiens, les beignets ressemblent aussi à des cercles. La petite fille lit un livre. Peux-tu deviner sa forme? Oui, le livre ressemble à un rectangle. Il y a un autre rectangle que j'aimerais bien manger. C'est une tablette de chocolat. Miam! Le carré ressemble à un rectangle, mais ses côtés sont de même longueur. Les cubes ont une face carrée, ainsi que les dés à jouer. Oh, le beau bateau! De quelle forme sont ses voiles? Oui, ils ressemblent à des triangles, comme des cônes de glace. Les formes sont tout autour de nous. Regarde bien, combien en vois-tu? J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de me donner un like et de t'abonner. À la prochaine !